Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. All hanging out with the suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one on the lady, go bring it down. Let's join on the corner where the big boys play. Formidable. Attends. C'est beau parce que tu vois, je suis touché. Franchement, bravo. Tu connais tellement bien 78, c'est énorme. Ah bah, 78, je vois bien ce que c'est. C'est ce chiffre entier qui me remplit. Ouais. Mais c'est pas ça le plus important ce soir. Bah, le plus important ce soir, c'est pas toi, c'est pas. Non. C'est quoi? C'est eux. Ah. Parce qu'on n'est pas là pour nous. Ah ben bah non, on est non. Julie, on est là pour des jeunes talents. Il y en a qui sont un peu vieux, mais ils sont quand même jeunes dans l'âme. Ouais, tu vois, ils ont un peu rodé sur des planches, ils ont vu un public, puis ils se sont dit, tiens, enfin, c'est Virginie Marson, c'est la directrice qui est du lieu, qui a dit... Alors, c'est très long, hein, ce que tu racontes. Oui, je parle trop. Ouais. Ça sert à rien de filmer, monsieur. Mais ça fait du bien d'avoir un public. Oh, attends, on nous prend photo. Attends. Oh, mince. Souriez. Coupable. Voilà. Mmh. Ouais, en couple depuis 2012. Merci d'être aussi nombreux pour la première soirée 7-8 Humour, le plateau du théâtre Le Prisme. Alors, on va passer une soirée extraordinaire avec ce duo incroyable, Papy et moi-même, Julie, que vous me connaissez tous. Voilà. Qui me connaît dans la salle, lever la main. Personne. Super. Qui connaît Papy, lever la main. Qui n'a pas levé la main. Je suis un local, hein, c'est normal. Là, je joue chez moi. Oui. Je joue chez moi, c'est formidable. Ah bah, très bien. Julie. Oui. Oui. Il faut qu'on commence. Oui, bien sûr. Je sens que les gens sont prêts à goûter l'humour. Oui, l'humour. Tout à fait. Qu'est-ce que l'humour, me direz-vous. Je sais pas. J'ai pas le temps de le développer. Oui, bien sûr. Pour l'instant. Non. Parce qu'on va laisser la place à quelqu'un d'important. Oui. Alors, tout au long de la soirée, on va vous présenter tous les humoristes et nous tâcherons de vous expliquer tous les styles d'humour que j'illustrerai magnifiquement, vous verrez, ce sera une grande surprise. Et Papy vous apportera une expertise, hein, un texte, une mythologie, la genèse. Tout à fait, un truc incroyable, vous allez ressortir un peu plus heureux. Oui. Et en ce moment, je peux vous dire que c'est pas mal. C'est un vrai cadeau. Ça se goûte assez bien. Bon, il est temps d'accueillir notre première artiste. Accueillons-la. Elle est incroyable. C'est la révélation du Marrakech du Rire 2015 et 2017, bien entendu. Elle y a tenu. Hein. Ah oui, oui. Comédienne dans Péplum, Scène de ménage, Commissariat Central. Est-ce que vous la connaissez? Bien sûr. Oh, bah, surtout les deux personnes ça, au premier c'est... rang. Alors, hein. Pour la sirène de pompier, bravo. Voilà. S'il y a un incendie ou quoi que ce soit, vous criez. Hein. Voilà. Vous suivez madame, très bien. On va vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements à Nadia Rose. Ça fait plaisir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je suis la première à ouvrir le Van Gogh. Oh, ben on se connaît, c'est trop bien. C'est Valou, on le verra plus tard. Valou, elle programme des spectacles. T'es venue faire ton petit marché? Coquinette. Bienvenue, je suis contente d'être là. Je suis pas venue pour tailler le bout de gras avec ma Valou. Non, je suis... Waouh, je suis contente. Hein. Vous, ça va? C'est bien. Ouais. Je suis contente d'autant que Papy et Julie m'ont dit « Tu vas voir, Nadia, ici au Prisme, on a un public de malades !» C'est pas des malades, hein, c'est des vieux, ça n'a rien à voir. Ça sent pareil, hein, mais ça n'a rien à voir. Alors, le prenez pas comme ça, c'est juste, voilà, on se dit les choses, hein, on va passer la soirée ensemble. C'est pas comme ça que j'avais imaginé notre première rencontre. Moi, j'ai fait le voyage jusqu'ici, je me suis dit, ils sont motivés, les gars. Ils me veulent. C'est sûr, je vais arriver, je vais être Beyoncé. Oh, et là, j'arrive, je suis Léo Ferré. En termes d'ambiance, avouez que c'était pas tout à fait... Voilà, moi, je me fais beaucoup de films dans la tête, voilà, c'était pas... C'était, oh là là, vous avez des têtes de décembre, là. On vous a obligé à venir.
Monsieur dit oui. C'est vrai parce que vous êtes comme ça, monsieur, vous avez remarqué? Il est fermé comme ça. Cette position en langage du corps, c'est l'inquiétude. Hein? Ou la gastro, hein? C'est un des deux. Bienvenue, monsieur, détends-toi, ça va bien se passer. Vous savez quoi? Je pense que vous et moi, on mérite mieux que ce qui vient de se passer. Oui, Nadia, tu as raison! Oui, vous êtes mes préférés là-bas. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ce début. On va faire comme dans ma tête. D'accord? Je vous explique comment ça va se passer. Je vais revenir, vous allez vous lever. Tous, monsieur, t'es chef de groupe. Je te mets la pression là que t'as la gastro, tu vois. J'ai même pas peur. Quand je vais revenir, tu vas te lever. Ils vont dire, mais il a raison, mais quel leader charismatique. Ils vont tous se lever. Valou, je compte sur toi aussi, hein, comme on se connaît, bien sûr. Vous allez vous lever tous, ça va être très beau, ça va être historique ici au Prisme. Hein. Standing ovation d'entrée. Donc vous allez taper des pieds, taper des mains, bouger tout ce que vous avez. Ouh, même les hanches artificielles, madame, je ne veux rien savoir. C'est pas mon problème. La terre va trembler. D'accord? Les gens vont passer devant le théâtre, ils vont dire, que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre, c'est un tsunami. Non, c'est l'ouragan Nadia Rose qui est en train de ravager les côtes des spectateurs du théâtre du Prisme. T'as pas pris tes places, bien fait pour ta gueule. C'est ça qui va se passer dehors, d'accord? Oui, Nadia, bien sûr. Je vous aime déjà tellement. Donc, vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Action. Mesdames et messieurs, voici la seule, l'unique, celle pour qui vous êtes venus ce soir. Mesdames, messieurs, en direct, en couleur, en Dolby Surround, en 3D, en Panavision, en réalité augmentée, un spectacle entièrement recolorisé. Merci d'inventer des langages pour chanter des louanges à celle qui ce soir, pour vous, s'inventera. Avec vous. Si je suis venue en plus, c'est pour vous parler d'un truc que moi qui, voilà, qui me fait beaucoup de bien, qui me parlait un peu de bonheur. C'est jamais très marrant le bonheur, hein. Mais si, mais moi il y a un truc qui me rend vraiment heureuse, c'est voilà. Depuis quelques années maintenant, enfin des petites années, j'ai le grand bonheur d'être maman. Est-ce qu'il y a des mamans avec nous ce soir? Comment je vous respecte les filles. Maintenant je sais, respect. Est-ce qu'il y en a qui en ont plusieurs? Pas compris la première fois. Ah, je suis un peu vénère, c'est parce qu'on m'a survendu, moi, le truc de la maternité. C'est vrai, on a fait des caisses. On m'a dit, tu vas voir, Nadia, c'est magique, c'est merveilleux. Ça va être le rôle de ta vie. Le rôle de ta vie? Alors, je veux dire, admettons, moi, je veux bien. Si être maman, c'est le rôle d'une vie. Dans ce cas-là, l'accouchement, c'est quoi? La cérémonie de remise de prix? Bonsoir. Et ce magnifique bébé de 3,380 kg est attribué à Nadia. Un bébé. Oh, je m'y attendais pas du tout. J'ai rien préparé. Oh, il est magnifique. Oh, il est superbe. Ah, oui, dans l'autre sens. Oh, j'ai eu peur, je me suis dit, il a une tête de cul. Il est parfait. Je suis très émue, c'est... Non, par contre, il faut que tu la fermes pendant le sketch, ça c'est important. Je te le dis avec tout mon amour, ferme-la. Ça c'est important. Non, parce que c'est important, c'est la première fois qu'on me remet un bébé. Je sais pas par où commencer, je voudrais remercier toute l'équipe technique qui a vraiment fait un travail formidable sur ce projet. Ma première pensée, elle va pour Catherine. T'es là, ma Catherine, la sage-femme. Catherine, merci Catherine pour la petite robe, trop mignonne là, avec le petit décolleté. Au niveau du cul. Merci Catherine. Je remercie Patrick, il
est là, Patrick, l'anesthésiste. Merci, Patrick, c'était de la bonne. Oh, grâce à toi, j'ai gardé le sourire tout du long, alors que j'ai morflé ma race. Il est là. Et je voudrais... Il est là. Et je voudrais remercier Gérard, le chirurgien. T'es une belle personne, Gérard. Tu sais, Gérard, je l'ai jamais dit avant, mais tu m'as vraiment fait sortir le meilleur de moi-même. Tu sais quoi, Gérard? Tu déchires. Et puis tu recoues aussi, et ça, c'est important. Vous savez, c'est drôle, mais quand le reproducteur est venu me voir avec ce projet, j'y croyais pas beaucoup. Mais il a insisté, il m'a fait passer son petit bout d'essai. Et oui, comme ça, à peu près. J'exagère. Parce que c'est plus comme ça. Je vous laisse déguster cette image. Et le projet a été conçu comme ça, en 2-3 minutes. Bon, on est d'accord que si ça c'est le rôle de ma vie, j'aurai jamais de César. C'est pas grave, hein. Moi j'ai une césarienne. Oui, oui. Je peux dire que là j'ai compris, hein, l'expression donner la vie. C'est joli, non, donner la vie. Juste, je savais pas que c'était la mienne de vie que je donnais. Ah ben, je sais pas vous les meufs, mais moi depuis que j'ai donné la vie, j'en ai plus de vie, c'est fini. Au revoir ma vie, au revoir, ouais, tranquille, au revoir, on s'appelle, t'inquiète, on s'appelle, ouais, ne te retourne pas. No, my life. Ben oui, mais je suis comme tout le monde, d'accord, moi aussi je fatigue, moi aussi je craque. Chaque jour dans le monde, des millions de femmes craquent et personne n'en parle. Non, monsieur, pas le baby blues, les vergetures. La vergeture, c'est quand tu essayes de faire rentrer Yolande Moreau dans Audrey Tautou. Il y a conflit. Bah ça tire, ça pète, ça craque, c'est moche. Sachez que 70% des femmes ont des vergetures, c'est la statistique officielle. 70%, donc là on a un panel parfait. Hein. Bah oui, bien sûr. Là, 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 là. Oh, ne dis pas non, crâneuse. Là, 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 là. Est-ce qu'il y a des vergetures avec nous ce soir? Faites du bruit! Je vous fais crier n'importe quoi. Je vous aime tellement. 70%. Les 30% restantes sont de grosses mythos. Alors, les premiers mois, on posait beaucoup cette question qui intéresse beaucoup. On me disait, alors, quand même, ça va la nuit? Ça se passe bien? Il fait ses nuits, tout ça? Alors, pour ça, j'ai eu du bol. Un petit bonheur. Il dormait comme un bébé. C'était génial. Et puis, pour le réveiller, c'était facile. Il suffisait de le poser dans son lit. Chialer à la baraque, en stéréo. Dormir comme un bébé, je t'explique, hein, ça veut dire se réveiller toutes les 3 heures et se chier dessus. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi vous croyez qu'on dit dormir à point fermé? Ça, personne vous le dira. Vous avez vu un nouveau-né de près dernièrement? 9 mois pour ce chantier, mais c'est moi, il n'y a rien qui est aux normes. Mais viens, je te fais visiter, viens voir, regarde. Rien, c'est pas fini, ça n'a pas de cheveux, ça n'a pas de dents, ça bave, ça sent le pipi. Quand ça sent pas autre chose, ça ne fait rien de sa journée. Quand ça part, on ne comprend pas ce que tu dis. Ça ne marche pas encore, bien sûr. Non, ça rampe à même le sol, ça n'a aucune dignité. Ça se vomit, ça chlingue. C'est des clochards. Me réveillez-vous, les bébés, c'est des clodos en plus petit, et puis c'est tout. C'est la compression de clochards. Un petit biberon. Je le sais, le mien avec son doudou des 101 dalmatiens qui pue la mort. C'est un punk à chien. Oui, oui, ben oui, je parle de toi, oui. Eh ben va bosser, va, au lieu de chanter comme Zaz, anarchiste, racaille, respecte-moi. Je suis ta mère. Le travail est trop. Il y en a un qui fait ses nuits. Et ça, ça fait plaisir. Il y en a un qui dort, ça c'est bien. Comment fais-tu pour dormir? C'est la guerre dehors et toi tu dors? Non, ça chamboule tout dans le couple. Tout est plus fort, plus grand, plus intense. Tu vis les émotions à fond. Lui, tu l'aimais? Oui, tu l'aimais, mais ça c'était avant. Maintenant, tu veux qu'il crève. Qu'il crève. Avec ce que t'as sous la main. Une Sophie la girafe, ça peut marcher. Il ne bouge pas. Peut-être il est déjà mort, on ne sait pas. Plus personne te respecte dans cette baraque. Tout fout le camp, c'est horrible. Lui,
quand il veut quelque chose. La violence, tout de suite, c'est des racailles finalement. C'est ça, les bébés, c'est des racailles. Je le sais, le mien, je l'amène à la crèche le premier jour. Et là, il y a une petite racaille de 14 mois qui arrive sur lui, Dylan. Le gars se la raconte beaucoup trop parce que genre, il sait marcher, genre, il a une dent. Tranquille. Oh, wesh, ma poule. T'es nouveau, c'est un nouveau. T'es nouveau, frère. Ah, t'as des frères, t'as des sœurs. Ah, t'es seul tout. Ah, d'accord, ça veut dire, tu connais pas la violence. Ça veut dire jamais. Tu sais, tu t'es fait mordre un œil ou un truc chelou, quoi, ça. Ah, ça te fait mal ici, frère. Mal, ouais, c'est le mot. Ah, tu crois quoi? On se la crache ici. Pourquoi tu crois les gars, ils ont mis des barreaux sur les lits? Ah, le gars, il a flippé, il a caché son doudou. Hein, on s'en bat les couches de ton doudou. Ah, moi, je suis blindé. T'es même à poussette. C'est une McLaren, frère. Jante chromée, par soleil Adidas, double enceinte 300 watts à l'arrière. Rien que du bon son. Un siphon, fond, fond, lève-tu de marionnette. Sbrr, sbrr. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Tu veux de la poudre? Oh, discret, discret. Ouais, j'ai de la poudre, ouais. Ah, pareil, en ce moment, j'ai du blédina, j'ai du geekos. Nesquik. Oh, t'es un fou, Nesquik. Hein. Préviens-moi une semaine avant, je m'organise. Hein. Malade, Hugo. Ah, rigole pas, c'est sucré, cette merde. Vas-y, pose pas de questions, c'est tomber de la poussette. Allez-y, circule, là, j'ai des trucs à faire. Vas-y, bouge. Bouge. Allez, rentrez chez vous, j'ai des trucs à faire. Bah, rentre, mais bouge, j'ai des trucs... Des trucs à faire, c'est tout. À... Ah, je suis un homme d'affaires, j'ai des trucs à faire, c'est tout. Un business à finir. Là, c'est chaud. Oh, regarde pas dans les yeux, bâtard, ça se met pas. Regarde dans les yeux, là. C'est pas bien, là. Pourquoi regarde dans les yeux, là? C'est pas bien. Nounou. Elle est où, là, Nounou? Ils sont jamais là quand on a besoin d'eux, là. Elle est où, Nounou? Oh, Nounou. 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 Attends, mais qu'est-ce que tu dis, Nounou? À l'envers, ça fait quand même Nounou. Nounou. Hey, Nounou. De la racaille, je vous dis. Ils sont sans foi des lois. Ils ne respectent rien. Toi, la nuit, tu dis, bon, allez, c'est mon petit moment. Je vais me détendre, je vais récupérer un petit peu. Tu vois, tu te poses et là... T'es giflé par la night. Tu sais plus où t'en es. Ah si. T'es au bout de ta vie. T'es en mode Walking Dead. T'es toute blanche. T'as des cernes comme ça. T'as les cheveux en pétard. Tu chantes des chansons cheloues. T'as l'impression d'avoir bouffé trop de Mylène Farmer, tu sais. Alors par contre, ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. On est en train de rôder aussi. Ouais, mais ici, c'est 78. Ouais. C'est la moyenne d'âge. C'est beau. 60. Oui, on peut dire ça aussi. Nadia, alors... Oui, Nadia, dis-moi. Nadia,
Quelle est donc ton actualité en ce moment ? Eh bien, en ce moment, figure-toi que je joue sur un plateau à Élancourt, au théâtre du Prisme, et que bah, ça se passe plutôt pas mal. L'accueil est très chaleureux, on a un public vraiment d'enfer. Non, mon actualité... Mais encore ! Plus sérieusement, je suis au théâtre jusqu'à la fin du mois, donc dépêchez-vous, les gars. Au théâtre ? Au théâtre des Mathurins. D'accord, voilà. Ça, c'est 7-5, ils sont un peu plus jeunes, c'est tout. C'est ça, oui, c'est ça, un tout petit peu plus jeunes. Pas beaucoup, voilà. Moins, c'est pas et loin. Et c'est les dimanches et les lundis au théâtre des Mathurins, dans la grande salle, donc venez nombreux. Et qu'est-ce que je peux te dire ? Un peu de date de tournée, mais et puis un prie. Peu de fiction, voilà, ça bosse, c'est quoi, beau. C'est cool. Voilà, voilà, mesdames, messieurs, hein, c'est quoi l'humour ? C'est aussi Nadia Rose, l'humour. C'est ça qui est bien. Toi, ça va ? Moi, ça va. Alors, Nadia, écoute... Moi, je suis bien, là. Bah oui, mais là, il va falloir que tu d'accord. Fasses un peu comme ça avec ta copine. Mais... Donc, il va falloir y aller. Ok, j'y vais en moonwalk. Oh. Allez, au revoir. Nadia ! L'humour, c'est ça, c'est comment ce petit décalage, hein. On part d'une anecdote, hein, une petite anecdote. Non, c'est trop, c'est beaucoup trop. C'est. Alors, comment vous dites ? Le décalage. Oui, le décalage. Le décalage. D'accord, je suis. Let's dance like a virgin. Je suis Madonna with Bowie. Julie. Like Julie, alors je parle. Petite et mari décalage. C'est de l'amour. Oui, alors je. L'amour. Le costume ne fait pas tout. Ça fait beaucoup rire les gens. Moi, je pense que tu devrais te lâcher un petit peu, tu vois. C'est ça que les gens aiment aussi. C'est quand on prend le risque, le lâcher prise. Et bien, à ce sujet, Madonna Neuschmüchrut, c'est qu'on va accueillir quelqu'un qui va prendre beaucoup de risques. Oui. Parce que c'est une première pour elle ce soir. Ah oui, 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 tout à fait. Oui. Elle va venir prendre des risques devant vous, de vous donner à voir et vous faire entendre son univers, son humour. Et je parle de... Alexandra Pardon. Alexandra Pardon. Bonsoir. Il y a même des gens là-bas. Bonsoir. Bon, j'ai que 10 minutes, mais c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de faire connaissance avec le public avant de démarrer. Hein. Oh, vous êtes bien. Vous êtes bien. Si c'est vrai, il faut le dire. Waouh. Non, c'est vrai. En même temps, faut dire que c'est surtout la salle qui vous met en valeur. Hein. Le lieu est sympa. Hein. Ah ouais, vraiment super. Hein. Wow. Il y a une coulisse ici. Il y en a une autre de l'autre côté. Ah. Et peut-être que même ici aussi. Ah non, il y a pas de sortie là. Bon, je vais peut-être pas sortir par là du coup à la fin. Sûrement pas même, mais je sais pas, j'ai pas encore décidé, on verra le lâcher prise. Moi j'ai pas l'habitude parce que je joue dans des caves. Ouais, alors c'est pour ça que je suis assez impressionnée quoi. Bon, les caves c'est comme le café théâtre, mais en pire. Ouais, on a l'opéra, le théâtre, le café théâtre. Les caves et les égouts. C'est vrai que je me suis longuement interrogée sur les raisons qui me poussent à monter sur scène. Certains le font par besoin de reconnaissance. Ils ont été méprisés dans leur enfance et tentent une revanche sur la vie en se faisant applaudir, souvent dans des caves. Ouais. Ou comme ce soir au théâtre, moi personnellement je le fais par amour pour les autres, pardon de moi-même.
pour vous apporter du bonheur et donner un sens à votre vie. Ma plus belle récompense, c'est quand à la fin du spectacle, le public vient me voir pour me dire « Alexandra, merci. Grâce à toi, je sais enfin qui je suis. » Je leur réponds « Waouh ! C'est génial parce que moi, je ne sais pas du tout qui tu es. Mais je suis contente que tu te sois enfin trouvée. » Donc, pour vous apporter du bonheur et donner un sens à votre vie, j'ai décidé d'aborder un sujet qui me tient à cœur, un sujet que je trouve des plus excitants, moi. Vous pouvez applaudir. Merci. Dis donc, toi, je te sens pas hyper emballée par le sujet, hein? Petit conseil, apprends à recevoir ce qu'on te donne, hein? Sois dans l'acceptation, d'accord? Tu prends ce qu'on te donne. Tu prends, d'accord? Tu verras, je t'assure, tu verras. Et ce qui est valable pour lui est valable pour tout le monde, hein? Alors je vais commencer par le début. Je viens du Chili. Alors, pour ceux qui manquent de culture générale, le Chili, c'est en Amérique latine, d'accord ? Donc, vous avez sous les yeux un spécimen tout à fait étonnant, mi-indienne, mi-bomblatine, tu me diras merci à la sortie du spectacle, d'accord? Je pense que je me suis assez bien intégrée dans la société française. J'aime le bon vin, le bon fromage, les bons antidépresseurs aussi. Et comment vous dire, ça va? Ça va les jeunes? On va faire du social? Ça va la jeunesse? Oui. Bon, sympa la coupe. Super. Tu sais que là, je peux te tailler, vraiment, et il n'y a personne ici qui va venir t'aider. Hein. Ça, je peux te le dire. Hein. N'essaye pas de partir discrètement non plus, hein, parce que c'est mal barré. Bon. Donc, ma citation préférée, c'est celle de Che Guevara, qui a dit « Je préfère mourir debout que de vivre à genoux ». C'est fort. Ma deuxième citation préférée, c'est celle de Nabila, qui a dit « Oui, mais quand on meurt, après, c'est foutu ». C'est fort. Incroyable. Mes parents étaient très militants. Ils ont lutté contre Pinochet, hein, le dictateur chilien. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu une enfance un peu particulière. On peut dire ça comme ça. Oui, parce que moi, le soir, pour m'endormir, ma mère, elle me chantait pas une berceuse. Toi, ta mère, elle te chantait une berceuse, elle te chantait une chanson, par exemple. Hein ? Des chants révolutionnaires. Ah ouais, 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 donc pour toi aussi, c'est compliqué. Ouais. Moi, ma mère, par exemple, elle me chantait pour m'endormir le soir « El pueblo unido jamás será vencido !»« Bonne nuit, ma chérie !» Alors, l'équivalent ici, c'est « Macron, démission ! Macron, démission ! Macron !» Allez, Alexandra, chante avec moi !« Macron, démission ! Macron, démission ! Bonne nuit, ma chérie ! Fais de beaux rêves !» Avec Che Guevara.
et Fidel Castro sur le chemin de la liberté. On le saura, et Mélenchon in soumission. Philippe Poutou, ma chérie. Du coup, je suis devenue un peu militante par la force des choses, hein, faut le dire. Alors, je mène mes petits combats. Ouais, il y a un combat qui me tient particulièrement à cœur, c'est la famine à travers le monde. Je suis contre. Vraiment, je rejette l'idée. Alors, pour lutter contre la famine à travers le monde, je me suis dit, tiens, il faut que t'achètes un petit carnet pour noter toutes tes petites idées. Ah bah, il faut bien commencer. Alors je vais à Monoprix. Mais tu vois, Ah oui, je suis comme ça, moi. Ah, mais quand je décide de mener ma lutte, j'y vais, quoi. Monoprix, direction Monoprix. Alors bon, je prends ma trottinette. Je vais à Monoprix. Je vais à Monoprix comme ça, en trottinette. Je vais à Monoprix. J'arrive à Monoprix, toi. J'arrive à Monoprix, déterminée. Ah ouais, elle est comme ça, la fille. Bon, je saute de ma trottinette. Je creuse un trou pour mettre ma trottinette à l'intérieur. Je creuse un trou, tiens. Tu sais pas pourquoi, mais j'ai creusé un trou pour mettre ma trottinette à l'intérieur. Je creuse un trou de mes mains, là, tu vois. Je creuse le trou de mes mains. Parce que j'ai fait du théâtre. Je voudrais que ça se voit. Je creuse comme ça, je rentre à Monoprix. Je rentre à Monoprix comme ça, je cherche la vendeuse. Et parce qu'en plus j'ai 10 minutes à faire. Je cherche la vendeuse. Ah, je vois la vendeuse, j'interpelle la vendeuse. Elle comprend tout de suite l'urgence de la situation, quoi. Je lui dis, je cherche un cahier pour sauver l'humanité. Quel cahier me conseillez-vous? Est-ce que, à votre avis, je dois prendre un cahier avec des petits ou des grands carreaux? Et là, elle me répond aux grands mots, les grands carreaux. T'étais là? Super compétente, la vente. Mais c'est toi, Claire Fontaine, diplômée d'Oxford. Elle a fait l'ENA du cahier, la femme. Super compétente. Tu peux te lever pour qu'on te voie. Lève-toi. Oui, toi, voilà. Oui. Claire Fontaine. Super. Hein. Tu me suis, en fait, depuis le Monoprix. C'est dingue. Vraiment contente de te voir. Merci, tu peux te rasseoir. C'est marrant parce que j'ai une amie qui est un peu comme moi, exceptionnelle, dans la générosité, le partage, l'échange, vous voyez. C'est marrant parce que c'est toujours quand on prend le métro qu'elle veut me parler de ses histoires de cul. T'as déjà sucé un mec sur une aire d'autoroute? Sur une aire d'autoroute? Alors moi, je réfléchis. Là, non, parce que bon, bah, c'était pas vraiment une aire d'autoroute, mais c'était juste en disant que c'était dans la voiture. Là, ah oui, c'était avec le mec de, ah oui, de Monoprix, donc vraiment une aire d'autoroute non plus, on peut pas dire que vraiment c'était... Mais... Non. Et toi? Ouais, mon cousin. Mais c'était pas top, hein. Alors là, moi je lui montre que je compatis dans le métro avec la vieille dame à côté et la petite fille de 8 ans. C'est dommage. Et récemment, elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Oui, pour trouver des plans cul. C'est une italienne? J'entends pas. J'ai pas entendu. Tu peux, si tu veux, dis-moi. C'est une? Il met l'ambiance, c'est bien, il faut les encourager, ce jeune. Oui, parce que c'est peut-être des futurs rois de l'humour, on sait jamais, hein. C'est bien, c'est bien. On se voit après si tu veux, je te fais un autographe et tout.
que mon amie, qui est un peu comme moi, quelqu'un d'exceptionnel, donc elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Voilà, pour trouver des plans. hein? Chacun son truc. Ouais. Et un jour, elle m'appelle. Bon, elle avait eu une peine de cul. Bah, une peine de cul, bouchez-vous les oreilles. Hein. C'est comme une peine de cœur, mais pour les plans cul. Alors moi, je lui dis, vas-y, dis-moi tout. Je suis à l'écoute, je l'écoute. Je suis dans le partage et l'échange. Je lui dis, mais vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout ce que t'as sur le cul. Elle me dit... En fait, elle avait rencontré quelqu'un, un mec, qui cherchait une relation stable et sérieuse. Un mec bien. Tu te rends compte? Il m'a manipulé, il m'a fait croire qu'il avait une femme, deux enfants. En fait, j'apprends quoi? Le mec, en fait, il est en instance de divorce, hein? Et il veut me combler d'amour jusqu'à la fin de mes jours, l'enculé! Dire que je lui ai ouvert mon cul, mon cœur, et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que ce sketch devient vulgaire. Et pour ceux qui le pensent vraiment, j'ai envie de vous dire oui, mais la vie est vulgaire. Merci beaucoup. Alors revenons-en à l'humour. Alors ce petit léger décalage hein, qui permet effectivement de vous donner à voir le monde autrement avec le sourire bien entendu. Je sais pas ce qui est le plus drôle, ton rire ou moi. Pourquoi tu fais ça, Julie? Je suis toi. Le léger décalage, hein, on en revient là-dessus. Je m'aime tes pompes. Je vois ça, oui. Tu t'es pas fait chier. Je vois ça. Ouais. Tranquille, c'est la fête. Ouais. Mais c'est pour montrer le décalage. Oui, j'ai bien compris. Oui, ça, c'est. Merci beaucoup, Julie, de ce petit. Oh là, ça va être très, très lourd. Très, très, très lourd. Je perds mes poils de barbe en plus. Oui, moi, ça va, ça tient encore. Merci. Tu t'étouffes pas avec tes poils parce que... Non, mais je t'en prie. Après, faut pas y aller quand même sur tout. Hein. Ouais, écoute, là, faut qu'on discute de la façon de présenter les gens. Et d'ailleurs, maintenant. Non. C'est... Non mais franchement, les gens. Non, mais... Ah mais quoi? C'est insupportable. Quoi, c'est insupportable? Mais c'est quoi comme ça? Regarde, tu te touches. Non. Bah, c'était sûrement déjà arrivé en même temps. Je suis con. Bref. Bien. Alors là aussi, alors il y a plusieurs types d'humour, plusieurs niveaux, on va dire. Essayons de pas trop descendre. Mais là, on va demander à qui? Bah, à Roland. Mais ça va, je t'énerve pas là. J'espère que tu le prends bien. Moi, j'aimerais bien que les gens aussi te voient un peu autrement, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Ok. Quoi? Mais t'énerve. Je te prends bien. Vous voulez me voir autrement? Bon, il y en a que deux, alors donc ça va. Merci. Eh bien, on va s'occuper de ça. Voilà. Et donc, présente le suivant. Moi, qui suis toi, de moi. Je ne sais plus qui je suis, et ouais. Ben c'est bien. Ben... Merci beaucoup. Mais non, attends, non, mais vraiment, vas-y, vois avec Roland comment tu le présentes. Ah oui, voilà. Eh bien, quelqu'un qui lui aussi prend des risques, un personnage haut en couleur. Papy, j'arrive, t'inquiète. Ah oui, j'ai beaucoup. maintenant, je veux vous demander d'accueillir Roland Haussmann. Merci. On applaudit Julie. Ah, voilà. C'est tout pour moi. Ok. Alors, ouais. Oui.
du rythme. Ok. Tac. Ouais, ouais. Ok. Alors. Oui. Faut démarrer, Roland. Là. Oui. Mais c'est le truc, ça revient. J'ai juste le. C'est la première phrase qui. Ouais. Elle va revenir. Bonsoir tout le monde. J'ai préparé. J'ai vraiment. Oui, c'est bon. Ouais. C'est hop, voilà. Mais on y va. Alors. Ouais. Voilà. Je suis papa. Merci. C'était prévu, ça. Et j'ai 4 enfants. Merci. C'est 4 enfants. Ouais, c'est pour ça que je me suis remis à 45 ans à faire du sport. De détente. De la boxe thaïlandaise. Voilà. Parce que 7h20, pour moi, 7h20, c'est le petit-déj. Pour vous, c'est quoi ? Le biberon, exactement, merci. Exactement, donc j'en ai 4. Maxime, 2 ans. Au biberon. Elle est où, maman ? Maman, elle est partie au travail. Elle est où, maman ? Maman, elle est partie au travail en bus. Bois ton bib, s'il te plaît. Elle est où, maman ? Maman, elle est partie avec mamie faire du skate au skatepark, parce que ça va mieux en ce moment, donc elles sont parties au parvis de la Défense faire un peu de roller. Ah. Elle est où, maman ? Maman, elle va pas revenir. Elle est où, maman ? Maman, elle est décédée. Dans un accident d'hélicoptère. Et juste avant de mourir, elle a dit au pilote « Je suis bien content de partir, comme ça je verrai plus ta vieille tête. Elle est où, maman ?» Voilà, donc ça, c'est Maxime, 2 ans. On peut l'applaudir. Ensuite, j'ai Sophie, 5 ans. Alors elle, le matin, c'est une petite sirène. Elle est blonde. Bon, enfin, c'est ma femme. Elle est normande, c'est pour ça. Bon, enfin bref, voilà, elle me ressemble pas au niveau des cheveux. Et donc elle, voilà, elle est plus le matin petite sirène. Donc par exemple, voilà. Mais en un peu plus. Les polyphonies corses. Et elle a toujours un souci parce que le chocolat il est chaud. Donc c'est le principe du chocolat chaud, Sophie. Donc oui, mais la chaise elle m'embête et le pantalon il m'embête. Ah ouais, donc pour elle les objets ils sont vivants. Donc je dis deux minutes, je vais parler avec eux. Donc toi la chaise, tu c'est la dernière fois que j'ai à te reprendre. La prochaine fois je te pète un pied. Et toi le pantalon, je vais tirer si fort que même les chaussettes elles vont pas te reconnaître. C'est bon Sophie, tu peux boire ton chocolat. Ouais c'est bon. Oui, souffle. Charlotte, tu peux arrêter de faire des saltos dans le salon, s'il te plaît. Tu te trompes papa. Ce n'est pas un salto, mais à une roulade. Un salto, on met les deux... Bon, écoute, tu vas prendre ton sac de piscine et aller le vider, parce qu'à l'intérieur, il y a ta serviette qui fait des saltos. Merci, Charlotte. Ouais, elle, c'est Maître Capello. Ceux qui connaissent... Voilà, elle me reprend. Et puis la dernière. Juliette, il est 7h29. Tu peux te lever, s'il te plaît ? 12 ans. Juliette ! 7h48. Non, mais vous êtes sérieux dans cette famille, là ? Il n'y a plus de jus d'orange, frère. D'abord, je ne suis pas ton frère. Et ton frère, il a 2 ans. Il n'arrive même pas au niveau du frigo. Ok, frère. Non. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, comme que c'est de chacun, on va partager la salle en 4. Ça vous dit ? Oui. De toute façon, vous êtes obligés. Donc ici, je vais vous faire simple, les Maximes. Ça va ? Les Maximes, vous me faites ?
Elle est où, maman ? Voilà, très bien. Voilà, il y en a un. Un, deux, trois. Ouais, très bien, c'est pas mal. Ils sont bons, eux. Ici, tiens, ouais, vous avez des têtes d'ados. Non, mais vous êtes sérieux, frère ? Je vous laisse ça. Non, mais vous êtes sérieux, frère ? Très bien, c'est pas mal. Ici, on est au troisième, hein, donc vous vous souvenez, elle va dire, papa, tu te trompes, ce n'est pas une roulade, mais un salto. Oui, mais je change de texte au fur et à mesure du truc. Faut s'adapter. Ouais, c'est interactif, même moi je suis interactif à l'intérieur. Je te dis des choses, mais c'est pas vraiment moi qui te l'ai dit. Donc... Ça marche, il n'y a pas de problème, on a rien compris, c'est pareil. Et ici, la petite sirène. Ok, très bien. Et ça, c'est tous les matins à 7h20. Alors le soir, pour qu'ils s'endorment, je leur joue une berceuse. Sérieux ? Ouais, je suis sérieux. Non, je suis pas sérieux. C'est long, hein. Combien... Ouais, ah oui, j'ai fait combien, là ? T'es à limite, là. Je suis à combien ? Ouais, 10 minutes. Là. Non, sans déconner. Ouais, faut que tu accès. Je fais vite. Je la fais en 30 secondes. D'accord. Ouais, je fais vite. Oh putain, je suis à 10 minutes déjà. Ouais. D'accord, je fais vite. On remonte le temps. Combien de temps encore, mon frère ? Combien de temps encore, ma sœur ? Combien de temps encore ? Combien de temps encore à attendre ? Africa ! Unite ! Voisin, allez. Victime de la misère, victime de l'injustice, persécuté par les guerres, persécuté par le fisc. Combien de temps encore, mon frère? Combien de temps encore, ma soeur, du côté de mon grand-père, de ma nièce, par alliance? Roland. Attends. Roland. Oui, j'ai fini, j'accélère. Africa! Unite! Allez, in the night! Everything's gonna be all right! Crazy! Il y a un petit morceau de. C'est juste un perso, je le finis! C'est trop tard! Crazy! Je finis! Crazy! Plus profond encore, d'accord, je creuse! Crazy! La pause, quelque chose, j'ai pas tapé, je creuse! Ouais, mais t'es crazy, toi! Fais ton top de fin! Ah oui! Loin du puits du fou! Et là, c'est à vous, Africa! Aidez-moi, parce que vous êtes. Africa! Super! Tiens, je te laisse la guitare! Africa, allez tous ensemble, on finit, c'est 2 secondes. C'est Africa, allez, plus fort, allez. Africa, Nelson Mandela, Sergio Garcia, Eric Cantona, Kaba Diawara, Mohamed Salah, Paul Pogba, Linda de Souza, Kinshasa, Africa, au Burkina, dans une simka avec Madonna et Lady Gaga, Dala Dala. Merci.
Oui, voilà, merci, Oscar. Merci, merci, merci. Merci Julie. Merci. Roland, Roland, Roland. Tout un roman. Maintenant, et avant d'accueillir notre prochain artiste, j'ai envie de... C'est bien, c'est bien. Vous applaudissez ça, bravo. Il y a du lâcher-prise, il y a de l'envie, il y a de l'amour. Ah, qu'est-ce qu'on se marre! Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont organiser un baptême, une communion, ils vont t'inviter pour l'animation. C'est génial! Super! Non, mais non, tu non, vois... ça, vraiment, ça me touche mais... beaucoup que vous riez là-dessus. Du coup, c'est... tu as bien quoi? Vraiment, moi, je suis arrivé, je me suis dit, je vais me mettre bien, je vais être propre sur moi, tout ça. Et je vais leur expliquer ce que c'est que l'humour, quoi. Quelque chose qui vient du cœur, qui est juste avec le petit décalage, le sourire. Et vous riez parce que j'ai... c'est dégueulasse. Ce que vous faites là est vraiment. Je m'attendais attends, pas à ça. C'est parce que non. C'est parce qu'on. On a... alors, le truc c'est qu'on ne comprend pas. Hein? On ne comprend pas. Moi non plus. C'est. J'ai pas compris. C'est. On s'est pas fait tomber dans une machine à laver. Tu mais vois? Non, mais c'est pas ça. Non. Mais tu me dis mets un costume. Je mets un costume. C'est pas un. Alors on dit voilà, il faut se déguiser. Ah ouais. C'est quoi, youplala? On fait caca, on fait pout de prout et c'est bon, ça fait rire. Ah. Bah tu vois, ça fait pas rire, moi je suis bien d'accord avec vous. Alors... Donne-moi ça, c'est quoi? Il est où le truc? Il est derrière. Très bien, eh ben, oh. Retente ta chance, allez ouais. Vas-y. Et puis tiens, fais venir quelqu'un de bien, quelqu'un ouais. qui sait donner de l'humour à ces gens qui sont venus pour ça. Vous êtes venus pour ça? Bah oui. Et bah voilà. Ouais. Bah oui. Vous, vous êtes venus? Non, vous êtes, oui, bah oui. Voilà. Hein? Hein? Il est venu pour quoi? Pardon. Pour moi, lui. Les autres, bon, ils ont voté pour lui. Donc, j'aurai ma revanche. Oui, messieurs. D'accord. Je gueule dessus et vous soufflez. Voilà. Je fais n'importe quoi. En plus, je tiens même pas le micro. Allez. Très bien. Vive l'humour. Voilà. L'humour, c'est grand. Alors, oui. Maintenant, nous allons accueillir un personnage en couleur. Une humoriste incroyable. C'est une chroniqueuse de talent. Vous pouvez la retrouver sur Radio Nova. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous pouvez la retrouver sur scène. Mesdames et messieurs, Laura Domange! Messieurs, vous êtes si spontanés. Je suis tellement heureuse d'être avec vous. Je vous jure, il y a des gens qui rêvent d'aller jouer à New York, d'autres à Rio. Et moi, mon rêve, c'était d'être à Élancourt. Voilà. Laura Domange, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Laura Domange, j'ai 31 ans, je le vis très bien. Tu sais, 31 ans, c'est très bizarre parce que en fait, t'es censée être une femme. Tu vois, la société te dit que tu es une femme, mais moi, je me sens ni femme ni fille. Je me sens rien du tout. Enfin, attention, ça veut pas dire que je me sente homme. Hein. Je préfère vous rassurer. Je sais bien que je suis pas un homme. Il y a quand même quelque chose qui est là pour me le rappeler tous les mois, n'est-ce pas, mesdames? Ouais, c'est bien sûr mon salaire. On est payé 30% de moins alors qu'on dépense 60% de plus en fringues. Et tout ça pour finir habillé comme ça. Oui, parce que j'ai vu dans les regards, vous vous êtes dit, c'est qui celle-là avec cette ravissante petite robe et ses collants de pute? Voilà, donc je vais pas vous mentir, je me cherche. On dirait que j'assume cette tenue, hein, mais pas du tout. C'est juste que j'ai mis au point une petite technique en grandissant qui s'appelle le masque social. Je sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi, mais moi, quand je suis mal à l'aise, je souris pour donner le change. Tu vois ce truc-là, en toutes circonstances. C'est-à-dire, je viens de me faire virer, je suis au fond du trou, je croise quelqu'un dans la rue. Bah écoute, le boulot, ça va. Un peu calme en ce moment, mais ça va. Les enfants, j'ai pas d'enfants. Non, toujours pas, vu que j'ai pas de mec. La santé, ça va, merci, j'attends toujours un rein. Voilà. Ce truc-là, là, c'est la surface, parce qu'en réalité, moi, je suis une très, très grande anxieuse, et peut-être il y a d'autres personnes comme moi, mais moi, quand j'anxie, je boulime. Vous connaissez ce truc-là? Il paraît que c'est un combo très féminin. Généralement, les filles, quand elles sont pas bien, elles se jettent sur des choses un petit peu sucrées, sur du Nutella, des Tagada. Moi, c'est sur de la morue.
Et petit coup de blouse, grosse brandade, hein. Puisque mon utérus est vide autant que mon estomac soit plein. Les présentations sont faites. 31 ans, c'est un âge très très bizarre parce que ton corps t'envoie des signaux contradictoires. C'est-à-dire que je suis à l'âge où sur mon visage, j'ai de l'acné et des rides. Les esthéticiennes appellent ça une peau mixte, tu sais. Moi, j'appelle ça une peau de merde, tout simplement. C'est très bizarre. 31 ans, ton corps et ton esprit sont pas copains. Ils sont pas d'accord ensemble, tu vois. Moi, je suis à l'âge où, par exemple, mon esprit a trop envie de danser toute la nuit, de sortir toute la nuit, de picoler jusqu'à pas d'heure. Et mon corps fait « Ok, vas-y, sans moi ». Et à 31 ans, si jamais t'écoutes pas ton corps, tu le payes très très cher. Les gens voient ta gueule, ils disent « Dis donc, t'es sorti samedi, toi ?» Ouais, mais il y a 3 semaines. Et moi, cette division entre mon corps et mon esprit, je la ressens dans plein d'autres moments. Par exemple, quand un mec veut prendre un dernier verre chez moi, je dis toujours non. Pas parce que je suis pas une fille facile. Je vous rassure, je suis une fille méga facile. C'est encore plus facile à manipuler qu'un iPad. Tu vois le délire ? À peine je m'effleure, oh, je m'allume. Voilà, c'est comme ça. Il y a des enfants dans la salle, je suis hyper gênée. Désolée, je plaisante, je suis frigide. Voilà. Je ressens rien, donc que je fasse l'amour ou pas, c'est pareil. Donc si je peux rendre service... Il est mal, le monsieur, il est mal. Je plaisante, les enfants, je plaisante. Mon corps appartient à mon père. Je plaisante pas. Clairement, quand un mec veut prendre un dernier verre chez moi, mon corps a envie de dire oui. Et ma tête dit non, surtout pas, il peut pas boire ça, c'est dégueulasse, ça fait des mois que c'est pas entretenu. Je parle pas de mon corps, mais de mon appartement, monsieur, soyez pas... Moi, je vis dans un bordel, c'est terrible. Moi, je pense que si même des cambrioleurs venaient chez moi, ils feraient « Ah, ok, les collègues sont déjà passés, ok, on se casse. » C'est horrible. Moi, je suis une vraie de vraie bordélique et c'est hyper complexant à mon âge d'être bordélique parce qu'à mon âge, quand on me parle de mon appartement, on me demande plus comme une gamine si ma chambre est bien rangée, tu vois. On me dit « Mais toi, Laura, chez toi, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt parquet ? C'est plutôt moquette ? C'est plutôt, je sais pas, j'ai jamais vu le sol. » Ah, tu connais ça, toi aussi, hein ? Ah, c'est terrible, c'est hyper, c'est très très complexant d'être bordélique parce que ça contraste avec l'image qu'on a de la femme du 21e siècle, tu sais. Elle m'énerve, cette femme du 21e siècle. Elle se met la pression toute seule, tu sais. Parce qu'elle se dit que comme c'est une nana, il faut qu'elle ait un boulot, puis un boulot sérieux, parce qu'elle a accès aux études, il faut qu'elle s'en serve. Elle se dit qu'il faut qu'elle ait des gosses, qu'elle s'occupe de ses gosses, qu'elle ait un mec, qu'elle s'occupe de son mec, qu'elle s'occupe de la baraque, du ménage, des factures, et le tout en restant douce, maternante, féminine, en laissant derrière elle une légère odeur de jasmin. Femme là, c'est vrai ou pas? Dans les pubs, tu sais. C'est vrai, il y a que dans les pubs, on verra des nanas heureuses de faire leur lessive à la main. Je sais pas pourquoi, dans les pubs, on a l'impression que c'est super de se lever à 6h du mat, de préparer un petit déjeuner pour toute sa famille, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, bien sûr. Et on a l'impression que les nanas, après avoir effectué ces merveilleuses tâches ménagères hyper sexy, elles partent de chez elles le cœur léger et le cheveu lavé d'un shampoing sans parabène. Connasse. Moi, je suis pas prête d'être cette femme-là, tu vois. Parce que moi, j'ai un vrai truc, c'est que j'ai hyper peur d'être maman. J'ai hyper peur d'être maman à cause de la puberté. Sérieusement, je saurais pas quoi dire à mes enfants quand ils auront de l'acné sur la gueule et qu'ils me diront « Maman, je suis mal dans ma peau, putain, mais tu m'étonnes. Elle est dégueulasse, ta peau, là. Si tu pouvais tourner quand tu manges parce que tu me coupes l'appétit, là, c'est horrible. Eh, mais je peux parler en connaissance de cause parce que moi, la puberté, je l'ai vécue, c'était horrible. Hein. Les gens la font vers l'âge de 13-14 ans à peu près. Moi, j'ai fait la mienne à l'âge de 9 ans. 9 ans, t'es un bébé. Je veux dire, je venais à peine de finir de téter que potentiellement, j'aurais pu allaiter. J'aurais pu m'auto-téter, tu as vu l'image? Tu as vu ça? Et en plus, c'est très injuste, la puberté, parce que les hommes et les femmes, on n'est pas pareils face à la puberté. C'est vrai? Les mecs, c'est quoi? C'est que du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? T'as la voix qui est plus grave, t'as des poils qui poussent, tu vois? C'est que des signes extérieurs de virilité. Donc en gros, la puberté chez un mec, c'est la nature qui te dit, tu vas, Ken. Voilà, c'est super. Alors que chez une nana, c'est différent, c'est du jour au lendemain, t'as 2 tumeurs qui te poussent ici, tu vois? Et les regards autour de toi changent, hein? Tu passes de, oh, elle est mignonne, la petite, à, oh, elle est mignonne, la petite. Donc la puberté chez une nana, tu vois, c'est la nature qui te dit tu vas te faire ken par la vie et ton beau-père. Je plaisante pas, clairement.
moi je pense que la nature s'est plantée parce qu'elle m'a filé la puberté d'un mec, parce que moi du jour au lendemain j'ai eu des poils sur la gueule. À quoi ça sert d'avoir de la moustache quand t'es nana, franchement, surtout quand t'as 9 ans, t'imagines? Moi les mecs dans ma classe ils étaient trop jaloux. Ils auraient buté leur mère pour avoir ne serait-ce qu'un poil, mais c'est moi qui les avais tous. Et vous imaginez l'horreur des surnoms, une bouffeuse de morue moustachue? À l'école, on m'appelait plus Laura Domange, mais Dominguez, la portugaise. C'était horrible, j'en avais marre qu'on écorche mon nom, donc j'ai éteint ma moustache en blond. Voilà, on m'a plus jamais appelée Dominguez. Astérix. Merci de votre soutien. C'est horrible la puberté, c'est horrible quand t'es un être humain, c'est horrible. Parce que quand t'es un animal, pff, tranquille, t'sais. C'est vrai, je veux dire, un chat par exemple, il va passer de bébé chat à gros chat, ce bâtard. Tu verras jamais un chat avec de l'acné, c'est vrai. T'entendras jamais un chat muet, c'est vrai. T'entendras jamais un chat faire miaou, miaou. Vas-y là. Ma mère, elle me saoule trop, t'sais. Toujours elle me lèche. Alors que je suis plus un chaton, t'as vu? C'est vrai, tu verras jamais un petit chaton s'enfermer dans sa chambre et dire tais-toi, vas-y, rentre pas dans ma chambre, vas-y, je fais du rap, balance le son, gros, minet. Oh oh, plus fort, vous êtes chaud? Miaou, miaou. Whiskas représente à tous les chats, les noirs comme les blancs, vraiment tous les chats, même les chats qui rapent. J'aimerais passer un coup de miaule. C'est dur d'être un ado quand t'es un chat. T'es pas pris au sérieux même quand tu bouffes un rat. Moi j'aime pas les câlins ni les bisous. Je peux pas qu'on m'appelle Minou, moi je suis une chaira. Style de l'air d'achat. Je suis pas un petit rigolo, moi je suis un béglingo. Je fais mes griffes sur tes rideaux, je laisse mes poils sur tes manteaux et je pisse sur ton canapé en cuir rétro. Je pisse sur tes loup-boutins à 1000 euros. Je pisse partout gros, même sur la couette pour faire dodo. J'suis un animal de compagnie. J'aime pas ta compagnie, non. J'suis un animal de compagnie. J'aime pas les gratouilles, non. Dédicace à Maître Griffe. Moustache d'argent et tous les gars de la cité de la Lydia. Chers spectateurs, c'était un bonheur de chanter le miaou. Bonsoir Claire Chazal. Ah, ça doit leur faire bizarre de pin-up autour d'une table. C'est clair. Sortez les lunettes de soleil, ça pique. C'est pas drôle, non. Non. On est vraiment bonnes. Cette... Prends mon ta jupe. Ah. Alors Laura, tu es actuellement en tournée, il me semble. Ouais, avec mon spectacle Passage. Ouais, ça donne envie à quelqu'un de se moucher, ce titre de spectacle. C'est la première fois qu'on l'a fait. Ouais, bah c'est, il y a beaucoup de bactéries dans 78, oui, hein, faut ouais, méfier. Ouais. Donc tu es en tournée, tu es sur Radio Nova. Oui, tout à fait. Tu es où encore? Eh bien, je suis un petit peu sur les internets, il y a plein de choses qui vont sortir. Arrête de nettoyer cette ouais, mais j'ai besoin, mais c'est mon côté femme, tu sais. Tu vois, j'ai été conditionnée pour faire le ménage. Justement, donc il y a un média d'empowerment féminin, ça se dit, ça, qui sort le 11 décembre sur Instagram. Ça s'appelle Want Her, voilà. Et je vais faire des chroniques dessus. D'accord. Normalement marrante, Inch'Allah. Et moi aussi, je te le dis. Et puis sinon, je vais sortir un livre. Oui. Waouh. Ouais. Alors là. Alors. Dit, dis donc, elle sait écrire. Oui. Et prix Goncourt 2019. Ah, ouais. C'est ça. Ouais, vachement, j'espère. Donc voilà, ça fait le 14 février, ça sort. Ça s'appelle Le sexisme expliqué à ma belle-mère. Voilà. Oh, il y a des parties, on dit donc. Ouais, j'aime ça. Eh bien, écoutez, on est tous partis pour acheter ce magnifique livre. Ouais. En attendant, on te remercie beaucoup, Laura. Merci. Vraiment, à vous, c'est vous un avez vrai été plaisir. Extra. Vous pouvez encore applaudir, Laura. Merci. On aura plus de retrouver.
avez eu des femmes de qualité. Vous avez eu de la beauté maintenant. Vous avez l'humour. L'humour absurde. L'humour clownesque. Papy. Parole était donc dans un spa. Comment ça se passe? Exactement. Voilà. Et ben tu vois, les gens sont ravis, les gens te voient différemment. Et c'est ça que je voulais ce soir. C'est que l'humour évolue tout le temps et tu en es la preuve. Et tu sais te montrer différemment. Voilà. Et ça me fait plaisir. 30 ans que je travaillais dans ce coin. Et voilà, une carrière se termine, mesdames et messieurs. Non, pas du tout. Carrière, oui, mesdames et messieurs. Non. J'ai porté l'humour très haut et ce soir, je me ramasse. L'élu prend des photos. L'élu prend les photos. Alors, et voilà. Et là, j'en Merci. Suis arrivé là. Oui, mesdames et messieurs. C'est, alors, non, on peut faire encore mieux, papy. T'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi, je vais te prendre en main. Oui, tu vas voir les gens. Depuis que tu m'as pris en main, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça se gâte pour ma carrière. J'ai eu une carrière avant. T'inquiète pas. Je m'occupe. T'inquiète pas. Attends, retourne là-bas. Alors toi, tu es neuf. Non, mais je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Vous allez voir. On va revenir avec du level, avec des costumes comme vous n'avez jamais vu, avec de l'absurde, du décalage, tout ce qu'il faut là où il faut. Mais voilà, avec un pantalon. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir deux jeunes du 78. Ah. Deux humoristes. Ah non, c'est pas moi. Non, t'as gardé. Attends, papy, par contre, qu'est-ce que t'as mis sous ton peignoir? Oui, ben. Voilà, d'accord. On est bien d'accord, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Ah. Deux jeunes du 78, plein d'humour. Je vais vous demander une ovation pour Tamzin et Mounir. La 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 Flying to the moon, flying to the moon, flying to the moon, flying to the moon. Flying to the moon, flying to the moon, avec moi. Flying to the moon, flying to the moon, flying. To the moon. Yes. Yes, ça, tu sais, business is business, hein. No pity in business. Hashtag no pity in business, hashtag good vibes, hashtag rap and R&B non-stop. Ouais, grave. Ouais, mais tu sais quoi, on se fait... Ouais, on se call back. Ouais, grave, on se fait une conf call dans le tram. Yes, on fout la caisse, ciao, assez, allez, yes. Allez, ciao. Hi Mitchell. Hi Thomas. Allez, fils de pute, Paris. Tu m'envoies un câble, s'il te plaît. Ben ouais. Super excellent ça. Dis-moi, Mitchell, on m'a dit que t'avais négocié un international contract. Ah, je vois que les informations vont vite chez les fils de pute. On est une petite start-up, hein. Ok. Alors, si je te dis Moyen-Orient, si je te dis Qatar, si je te dis Monet, si je te dis PSG, tu me dis... Oh my God. Les Qatars. Bingo, my man. Hey, et Chine, un autre bien modéré. Chine pour les fils de pute. Oh, hey.
Ramenez la bière à la maison. Allez les mires, allez. 20 ans sans boire, c'est le moment. Yeah. Allez les mires, allez. Excellent, excellent. Non mais, hey, tu sais ce qui est bien avec l'arrivée du Qatar? C'est que ça va nous permettre de nous développer en recrutant une nouvelle International Relationship Business Recall. Mais, Mitchell, tu m'as pas dit qu'on devait recruter une personne au standard? Mais oui, justement, une International Relationship Business Recall. Pour qu'elle call et recall et fasse recaller le business à l'international. Ship. Ah, ok. Yeah, okay, you okay. Got it, my okay. Man. Yeah. Hey, Mitchell. Elle pourra faire recoller les gens. Oh. Tu veux pas un ricola? You are very man guy. No, you are a very good guy. No, you are beautiful guy man. No, you are the grain of sesame of my Big Mac, you know. No. You are the filet fish of my life. No, you are the big building of the city of New York. No, you are beautiful. You are my love. No, you are my all. You are my heart. When I sleep in the night, I think of you. Et dis-moi, quelle salle tu as pris pour le job interview? Yesterday, j'ai booké la Sydney parce que Jean-Jacques à la Manhattan, Gwendoline à la Bangkok et Rachid à la NPE. Faut que t'arrêtes avec ça. Hein. Bon, allez, gigot, du coup, As soon as possible. Yes. You're beautiful. Ah, Mitchell. Mitchell is very good. Mitchell is. Tu restes gentil, d'accord, Zami? Papa, il va faire le travail. Après toi, on va faire le manège. Très bien. Allez. Ouais, chouche cléta avec un téléphone zawania. C'est ça. Bravo, mon fils. Bravo. Bonjour, moi c'est Zami. Zami Zerzawi. Zami Zerzawi pour vous servir. Donc, comment? Me présenter en quelques lignes, oui, pas de zozé. Alors, en quelques lignes, je suis actuellement un papa zolo-parental. Comment? Zolo. Mais non, t'es con, mais non. Zolo, pas le bonjour masqué. Zolo, tout seul. Oh, excellent, vraiment. Oh, désolé pour le con, c'est sorti tout seul. C'est l'habitude. Bon, d'accord, pas de zozé. Donc, voilà, ça c'est mon quotidien. Je m'occupe de mon garçon. Et puis, voilà. Comment? Mon expérience professionnelle. Oui, très bien. Alors, en garantie un an d'expérience de vie, je suis actuellement au chômage. Bon. Mais j'ai quand même travaillé, hein. J'ai travaillé dans les concessions automobiles où je réparais des pneus, j'ai réparé des vitres, j'ai réparé les pare-chocs, j'ai réparé l'arrière-train, j'ai réparé le devant des trains, j'ai réparé même les conducteurs une fois. Donc, j'y suis calé sur tous les postes. Voilà, pas de zozé, vraiment. Comment? Oui, le téléphone, mais bien sûr, pas de zozé, no problemo. Je prends le téléphone, j'ai l'expérience, j'ai appelé à l'étranger, j'ai appelé le Maroc, j'ai appelé l'Himalaya, j'ai appelé le Limousin, j'ai appelé le Fort de France, tous les pays du monde entier, j'ai appelé, hein, pas de zozé. Oui, une simulation téléphonique, mais avec grand plaisir, no problemo, hablo cuando le quiero. Vous savez, je parle vraiment toutes les langues, hein. Alors, je me prépare. Zami Zerzawi pour vous servir, bonjour. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, du bac de bière, pas de zozé, c'est réservé, c'est dans le côté, pas de zozé. Oui, c'est bon, c'est réservé, les deux bacs, c'est ce que j'ai dit. Oui, messieurs, deux bagues, c'est réservé, j'ai dit. Mais non, pas deux bagues du mariage.
Mais non, pas deux bagues à sable, j'ai dit deux bagues. Deux bagues pour transporter les bières. Mais c'est ce que j'ai dit, t'es con ou t'es con? Bon, t'y prends ou t'y prends pas? Voilà, t'y prends. Bon, tit. Fils de pute, va. Donc voilà ce que je sais faire, entre autres, entre parties, et voilà. Donc ça, c'est l'approche un peu méchante, il y a l'approche un peu gentille. Voilà, c'est l'approche de l'amour, l'approche de la bière et moi, c'est comme ça, c'est mon dada. Donc voilà, pas de souci. Oui, voilà, comme souci. Vous avez mon numéro, vous m'appelez quand vous voulez, je suis dans le coin, hein, je draine avec mon petit-fils, il n'y a pas de souci, d'accord? Très bien, vous m'appelez quand vous voulez, hein? Allez, allez, merci, au revoir. Oh, toi, c'est bien, Thierry, ce tissage, bravo! C'est à mon tour? Ok, d'accord. Merci, j'y vais. Allez, la vie est belle, allez. Bonjour. Voilà, je me présente, je m'appelle Stéphane Tact. Bon, j'ai 38 ans, j'aime les j'aime voilà tout ce qui est le bricolage, le macramé et les balades en forêt. Je faisais beaucoup de balades en forêt avec ma femme avant qu'elle meure il y a 2 ans dans un terrible accident de voiture. Voilà. J'ai une fille aussi, elle a 18 ans, elle s'appelle Sylvie. Alors, c'est vraiment mon rayon de soleil. Elle a une joie à toute épreuve. La dernière fois, je suis parti la voir à l'hôpital, elle était branchée à tous ses tuyaux. Et elle m'a raconté une blague. Je me permets de vous la raconter, vous allez voir, elle est tordante. Bip bip. Bip bip bip. Bip bip. Voilà. Mes expériences professionnelles, oui. J'ai travaillé chez Goodyear, licenciement économique. J'ai travaillé chez Alinéa. Licenciement économique. Et j'ai travaillé aussi chez Findus, mais ça, vous connaissez l'histoire. Voilà, voilà. Une simulation téléphonique. Oui, bien sûr. Pas de problème. Avec une vraie personne. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec une... Ok, c'est parti. Oui, allô, bonjour, la fête se peut de Paris, pour vous servir, ou pour devenir amis, ou pour aller boire un verre, ou je sais pas, pour aller faire une petite partie de bowling, ou... Ok, c'est pour autre chose. je pourrais vous proposer notre nouvelle bière sans alcool, une bière modérée. Vous enterrez votre mère. Zut. Ne dit-on pas, avec notre nouvelle bière modérée, on sourit d'un œil et on pleure de l'autre. On dit pas ça. Okay. D'accord, d'accord. Bon, à bientôt. Hein, à bientôt, copain. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous laisse. Faut que j'aille débrancher ma fille. Okay, thank you, but where is the job interview? Just here. Super great, thank you very much. Oh,
Good morning, hello, vanakkam. My name is Chandrupattar Tirumurugan. Mais vous pouvez m'appeler David, René, Bob. Ok, Bob, c'est super, vous m'appelez Bob, il n'y a pas de problème. Je viens de Villepadam. Tanjaur. Pondicherry. Ah, Pondicherry, great, super, ok, great. Je viens de Pondicherry. And can I speak in English? My French is not... Okay, super great. So, with my experience professional, I have worked with free, the telephone. Okay, donc, it's super, okay. Donc, with free, with Eurocar, the car, location, you know, great. And the final four, I have worked with Air France, the flight, you know, all the time, the people say, hey, drink a beer and make your belt. Ah! All the time. So this is why I want to change job. Change job. Ok. Changer de travail. Voilà. Donc, c'est pour ça que les fils de pute m'intéressent beaucoup. Simulation téléphonique? No problem. I can. Ok. Left is the pet Paris. Yes? What do you want? You want one beer? Oh, okay, no problem. Okay. No. Parce que I have a baby in my hand. Is very malad. So if you take a second beer, he will be great, very great. So, c'est pas grave, elle va mourir de le cancer. Bon. Ah, you take a second beer. Okay, great, super. Oh, my baby, very happy, listen. Ah, merci, ah, voilà. So, great. Thank you very much. This is my life negotiation. So, that's all. If you call me when you want, I stay here. So call me, no problem. Okay. Thank you very much. Super. Great. It's here. Okay. Thank you very much. Okay, mon gamin. Ok, mon gamin, c'est la caravane, mon gamin, ok? T'occupes, tu nettoies les gens, ok, mon gamin? Allez, boulon, je l'aide, boulon. Allez, fais pas le con, boulon, là, compte t'es mort. Compte t'es mort. Je présente, Jimmy Santiago. je suis garé juste à côté au parking de Darty avec le cousin. Je viens postuler au travail, hein? Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire plein de choses. Je sais démonter des pneus. Je vends des pneus à la Croix de Chavaux avec le cousin. Tu voulais venir à Gomel? Je voulais venir à Gomel. C'est intéressant, mon gamin. Le gamin, on arrive là, on casse la jambe. On est pas des fous, on est pas des fous. Ok. Si vous aussi, prépare des hérissons à la mayonnaise. On met à la broche, on fait tourner à la broche, on met la mayonnaise. Les hérissons à la mayonnaise, je vais vendre la caravane. Tu veux la caravane là-bas? Mais réponds-moi, tiens, tu comprends pas la caravane. Le côté est mort là. Tu comprends pas là, ce que je te dis ou quoi? Le côté est mort. C'est ma chose téléphonique, bah ouais, la côte t'es mort, je peux faire ça, la côte t'es mort, bah ouais. Oh boulon! Lâchez que là, le mec! Oh là, comment arrête de bouffer ta soeur là! Ah, bouffer ta soeur, côte t'es mort là! Ah! Putain, t'inquiète, tu vas bouffer tes dents jusqu'à ton cul! Côte t'es mort. Un couillasse. Qu'est-ce que tu veux, un couillasse? Tu veux bière? Vas-y, tu veux bière, que tu veux combien de bière? Je t'ai dit, tu veux combien de bières? Un croix de mort. Je t'ai dit, il faut combien de bières? Vas-y, je vais pas faire français ou pas faire français, oh! Je vais pas faire français ou je vais pas faire français, oh! Côté mort, hein, oh! Oh, côté mort. On va arriver. On va être plusieurs. Côté mort, c'est pas qui on est, oh! On arrive à plusieurs! On arrive à la caravane! On va à côté mort, on va donner ta femme, là, côté mort, hein! Tu prends les bières? C'est bien, côté mort, c'est bien. T'es content? Ouais, je te laisse. On doit aller dédenter grand-mère.
Oh, hé! Hé, Mustang! Ah, c'est bien! C'est bien, ça! Yes? Yeah. Je suis revenu pour toi. Beautiful. C'est moi qui ai dit un super grand Avidani Soke. Un super, super, super. Un very thankful all the time. Super, super. Avidani Soke. Take a bit of a la. Comment ça que tu vas au lobby? Comment ça que tu vas? Comment ça va? 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 Comment ça plus grande splendeur. Je ne suis pas là. Il n'y a qu'un seul être qui existe aujourd'hui. L'homme qui incarne l'humour du 78. Il est peut-être vieux. Mais il est là. Papy! Surnommé le dinosaure. Ah ah! Ah ah! Quand je vous dis que c'est la fin d'une carrière, c'est la fin d'une carrière! Mais lui n'est pas à la fin de sa carrière. Il a son premier spectacle, Fils de pub. Il a son second spectacle, Inflammable. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir
David Azencott. Allez, viens. Merci, merci du fond du cœur, merci. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous. Voilà, ça c'est ma tête quand je suis heureux. Je me présente peut-être, hein, je m'appelle David Azencott. J'ai pas toujours été dans l'humour. En fait, avant j'avais un vrai métier, je travaillais dans la pub. J'étais créatif dans une grande agence parisienne que je ne nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. Voilà. Donc je travaillais pour Vincent Bolloré. Hein, Havas, ça appartient à Vincent Bolloré, le Voldemort de Bretagne. Mais bon, j'ai démissionné, j'en avais marre. J'ai repris ma liberté. Je suis devenu humoriste, scénariste, comédien. Je travaille notamment beaucoup pour Canal+. Et donc pour... Vincent Bolloré, ouais. Bah, de toute façon, à la base, moi, je suis pas un mec très optimiste. Je pense qu'on n'échappe pas à son destin. Je pense que ça se voit que je suis pas un mec très optimiste. Deux, trois indices. Je suis pas habillé en désigual. Les désigual, tout le monde connaît bien sûr, hein, les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Ou par les taupes, on saura jamais. En fait, j'ai jamais été optimiste, vraiment, jamais. Déjà, quand j'étais petit, je l'étais pas. Quand j'étais petit, j'étais asthmatique. Donc, asthmatique, pareil, tout le monde voit. Pour ceux qui voient pas, c'est comme allergique au gluten, sauf que là, c'est vrai. Tout le monde est d'accord. Ceci dit, vraiment, c'est nul comme maladie asthmatique, comme maladie infantile, c'est nul, je vous le déconseille. T'étouffes, mais t'en meurs pas. Non, je veux dire, c'est pas la classe, tu vois, c'est pas la mucoviscidose. Quoi? Bah, excuse-moi, tu dis que ton gosse a la mucoviscidose, les gens ils font oh, ça doit être dur. Tu dis que ton gosse a de l'asthme, les gens ils font oh, ça doit être chiant. Ouais, c'est tout. Hein. Donc voilà, pendant des années, je vendais de la pub, donc je vendais du bonheur, donc je mentais aux gens, hein, c'est quand même ça le principe. Et si, c'est ça le principe, hein, c'est le mensonge, on l'a encore vu il n'y a pas si longtemps avec le scandale Volkswagen. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc sur Volkswagen, c'est qu'ils testaient leur moteur truqué sur des singes. Pour de vrai, hein. Non, mais c'est vrai, ils attachaient des macaques dans une pièce, ils les enchaînaient même, et ils leur balançaient des gaz d'échappement dans la gueule. Ouais. Et ils ont dit, comme les singes étaient un peu énervés, ils leur mettaient des dessins animés pour les calmer. Franchement, c'est pas un truc de pédophile, ça. C'est bien un côté genre, oui, je viole des gosses, mais il y a des glaces à la vanille. Voilà. Non, je dis voilà, après, oui, voilà, je suis d'accord avec vous, le scandale Volkswagen, hein, on a peut-être fait beaucoup. Franchement, où est la surprise des Allemands, des gaz toxiques, hein. Bon, je crois qu'on a mieux cerné mon type d'humour. Hein, c'est important et en cours, hein, sinon ça va être long. Parce que je suis très conscient que mon type d'humour n'est pas toujours bien pris, surtout sur les réseaux sociaux où les gens sont facilement blessés. Je vais vous donner un exemple concret. Il n'y a pas très longtemps, je revenais d'un festival, j'étais fatigué, on avait vraiment beaucoup bossé. Et il y avait beaucoup d'enfants dans mon TGV du retour. Beaucoup d'enfants qui faisaient beaucoup de bruit. Et moi, j'étais vraiment crevé. Alors, j'ai fait cette blague sur Facebook tout de suite. J'ai dit, mon wagon est plein d'enfants. Où sont les terroristes quand on a besoin d'eux? Si, c'est marrant. Si, j'ai eu 400 likes, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, mais ensuite, Facebook a suspendu mon compte. Voilà où on en est. Attendez, on est d'accord que c'est du second degré. Je veux dire, je suis dans le même wagon que les gosses. Hein, et on le sait, les terroristes vivent mal et les enfants bougent beaucoup. Donc, J'aime bien faire des blagues sur le terrorisme, ça détend l'atmosphère. Hein? Oh, ça va, ici on risque rien, on n'est pas en terrasse. Oh, un camion! Bien sûr, on risque rien. On est... À moins que le mec arrive en quad et monte les escaliers, genre à la wakbar. Et... Il y a peu de chance. Ouais, après, même sur des sujets plus anodins, des fois les gens sont blessés. J'ai fait une blague sur Charles Aznavour il y a pas longtemps. Le jour de la mort de Charles Aznavour. Non, mais je me suis pas réjoui de sa mort. J'ai juste dit, voilà, il avait 94 ans. Tous les gens faisaient, oh là là, quelle perte pour la musique. Non,
Hein, il a fait ce qu'il avait à faire. Quelle perte pour les prothèses Audica, les couches confiance à la rigueur. Mais c'est pas la blague que j'ai faite. C'est pas la blague que j'ai faite. Non, non, j'ai dit qu'il faut pas oublier que certes c'était un type formidable, mais c'était aussi un personnage controversé, Charles Aznavour. Hein, il a eu beaucoup de problèmes avec les impôts. Avec les impôts. Hein. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il meurt juste avant le prélèvement à la source. Et moi, je me suis fait menacer de mort pour cette blague. Menacer de mort, c'est incroyable quand même. Bien. Bon, deux jours plus tard, Charlie Hebdo a fait exactement la même vanne. Du coup, maintenant, c'est leur problème. Ils sont ça aux professionnels. Et je voulais tester quelques blagues avec vous ce soir. Je suis un peu stressé. Va falloir être gentil. Non, parce que c'est pas évident pour nous de tester de nouvelles blagues. On s'entraîne beaucoup d'ailleurs à les tester. Moi tout à l'heure je les testais dans la rue. Je sais pas si vous avez déjà vu un humoriste tester ses blagues. On est dans la rue, on fait genre comme ça. Et en fait j'ai attiré une schizophrène. Mais une vraie, hein. Je l'ai vu arriver du bout de la rue genre. Ça va toi? T'as l'air bien parti visiblement. Ouais. Faut arrêter de lui donner du sucre, hein, je pense. Trop. Non, elle était vraiment comme ça, genre. Et moi j'étais genre. Et elle. Et c'était gênant. C'était gênant. Parce que son texte était meilleur. Ouais. Non, je voulais vous parler un peu des gilets jaunes. Voilà. Ouais. C'est un bon sujet, faut en parler quand même. Ras-le-bol, ok, j'ai compris, tu es de droite, c'est cool. Non, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué d'être de gauche ou de droite, cette histoire des gilets jaunes. C'est vrai, il y a un climat quasiment insurrectionnel. Là. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis parisien, et à Paris, jusque-là, on s'en foutait un petit peu. On était genre, qu'est-ce qu'ils vont faire, bloquer les trottinettes? Non, ils ont fait plus que ça, quand même. Ils ont bien foutu le dawa dans les beaux quartiers, hein, hein, sur les Champs-Élysées. Ça, vous avez vu, quoi. Le 8e arrondissement, je peux te dire que samedi, les bourgeois avaient les miquettes. Hein. Je le sais parce que j'habite dans le 8e arrondissement. Et non, j'avais pas les miquettes. Alors, je précise, moi, je suis pas un bourgeois. J'ai eu un plan, voilà. En plus, j'habite à Miromesnil. Je sais pas si vous connaissez un peu la géographie du coin. Voilà, c'est la ligne 13, en gros. Donc, je suis à 3 stations de Place Clichy. Moi, je suis plus souvent dans le 18e arrondissement. En plus, qu'est-ce que j'irais foutre sur les Champs-Élysées? Je veux dire, voilà, y a rien à foutre sur les Champs-Élysées, quoi. Y a que des boutiques de luxe et des Qataris en goguette. Hein. Moi, je préfère aller Place Clichy. Je préfère mes Arabes pauvres. Et je suis descendu quand même, je suis allé voir et tout, et j'ai reçu des lacrymos. Et ça. Après, j'étais pas au cœur de l'action, comme on dit, parce que je suis un gros lâche, oui. Mais pas seulement, aussi parce que je suis con. Je vous explique pourquoi je suis con. Moi, je sais que je suis con. Voilà, je vous le dis. C'est pas juste une posture, c'est pas une blague, je suis con. Je le sais. C'est quand je vais à la boulangerie, qu'on me dit, ah, j'ai plus de monnaie, je vous donne 20, vous me donnez 5. Prends argent dans main, prends argent. Non, je sais que je suis con, vraiment. Et je sais que je suis facilement entraînable, en fait. Et moi, je sais que j'aurais été entraîné dans les violences, vous voyez. Moi, je suis du genre à faire « Ouais, brûlez la caisse !» Mais c'est la tienne. « On s'en fout, brûlez-la quand même !» Je suis vraiment con. Et c'est vrai que ça rend con, les effets de groupe. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Tuileries. Les mecs ont fait tomber, les gilets jaunes ont fait tomber une grille. Tu sais, ils étaient comme ça en train de la secouer, et paf, elle aurait tombé dessus. Mais la secouer dans ce sens-là, tu vois. Enfin, c'est niveau physique en troisième, quand même. Tu sens que les mecs, il n'y a pas que des prix Nobel, quoi. C'est pas des scientifiques. En même temps, gilet jaune, pas blouse blanche, hein, y avait un indice. Mais je me moque pas de tous, parce qu'il y en a certains, tu vois, je les ai écoutés, ils ont un discours qui s'entend, ils sont énervés, ça se comprend. Alors on dit oui, mais ils ont cassé des trucs, c'est pas bien de casser des trucs. C'est vrai, évidemment. Mais enfin, en face, il y a des mecs avec des matraques, quand même. Alors de temps en temps, ils ramassent des pavés, ils relancent. Non, parce qu'avant, les révoltes, on avait des fourches, tu vois. Mais il n'y a plus de paysans de nos jours, donc il n'y a plus de fourches. On bosse tous dans le tertiaire, on a 15 minutes pour bouffer, on va pas les attaquer avec des couverts en plastique, tu vois. C'est pas sérieux, les mecs en face, paf, quand même, tu vois. Alors évidemment, non, c'est pas bien de casser, évidemment, c'est pas bien. Mais je comprends que les gens soient énervés, ils le disent. Ils disent, on doit rouler 50 bandes pour aller au boulot, on fait nos courses chez Lidl, on n'a plus un rond de côté, tu vois. Ils sont énervés, ils vont pas dire merci non plus. Ça fait des années que tu te fais violer, tu vas pas faire, j'ai joui comme jamais. Non, parce qu'en face, qu'on soit de gauche ou de droite comme madame, quand même, on a des gens un peu bornés, ils sont complètement déconnectés au gouvernement. Vous avez entendu Darmanin qui dit on peut pas bouffer à moins de 200 euros à Paris? Il est jamais allé chez Flunch. Et puis Édouard Philippe, chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il sort de son cercueil. C'est genre... Édouard Philippe, prince des ténèbres. Édouard, c'est un prénom de vampire en plus, tu vois. C'est cohérent.
Mais et lui, tu sens bien, il est tellement propre sur lui avec ses petits pulls et tout. Tu sens bien que pour lui, gilet jaune, c'est juste une nouvelle teinte de cachemire chez Eric Bompard. Tu vois. Et puis Macron, bien sûr, Macron. Alors là, Macron, excusez-moi, mais enfin. Moi, je suis content que le premier de cordée se prenne les pieds dans le fil, tu vois. Parce que là, il est en train de tout foirer, quoi. Ah non, il aura tout chié, Macron. Il voulait laisser une trace, il va laisser une trace de pneu. Brûlé, naturellement. Non, voilà, je suis pas un mec très optimiste pour l'avenir. Moi, je comprends que les gens soient inquiets. C'est inquiet, ils savent pas quel monde on va laisser à nos enfants, tu vois. Hein, en même temps, quand je les vois. Non, mais à leur décharge, je me suis renseigné en fait, à cause des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques qu'on met partout, le QI moyen a baissé constamment depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ça n'arrête pas de baisser. Et je me dis que c'est quand même bien fait. Tu vois, c'est quand même bien fait parce que non seulement on aura pourri la planète, mais nos petits enfants, ils ne se rendront même pas compte. T'es bien? Tu vois? Alors attention, non, parce que je précise, les enfants, voilà, je fais beaucoup de blagues sur les enfants, mais j'ai rien contre les enfants. Hein, j'en connais. Bien sûr, j'en ai dans mon entourage, je respecte leurs coutumes, leur mode de vie, il n'y a pas de. Et comment vous dire, pour moi, les enfants, c'est un peu comme les migrants, vous voyez. C'est-à-dire, ça me touche, mais j'ai pas envie d'en avoir chez moi. Vous voyez, un peu comme tout le monde, quoi, finalement. On est de gauche, vous en avez des migrants chez vous? Non, voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà. Non, mais de toute façon, je pense que je suis trop vieux pour avoir des enfants. J'ai 45 ans, je sais, je fais moins, c'est l'alcool. Non, mais je veux dire, je vieillis, je sais que je vieillis. Et plus je vieillis, plus la qualité baisse, quoi. On va pas se mentir. Bah, là-dedans, c'est Emmaüs, hein. Ah non, ils sont un peu abîmés par la vie, quoi. Ah, où est-ce qu'on vous met le canapé? Je sais que tout le monde imagine un petit canapé, là, maintenant. Mais... Non, je veux dire, plus j'attends pour avoir un enfant, plus je risque d'avoir un enfant, entre guillemets. Un enfant différent. Un trisomique, quoi. Et en même temps, pourquoi pas? En même temps, pourquoi pas? Parce que je réfléchissais l'autre fois et je me disais, finalement, les trisomiques, ils sont gentils. Tous, génétiquement, ils sont programmés pour être gentils. Il n'y a pas de trisomique agressif. Il n'y a pas de gang de trisomiques à Elancourt qui font « portefeuille, ça n'existe pas !» Non mais réfléchissez, s'il n'y avait que des trisomiques sur Terre, ça irait sans doute beaucoup mieux. Il n'y aurait pas de guerre, pas de massacre, pas de réfugiés. Bon, pas d'électricité non plus, sans doute. En fait, je sais, il faudrait un mix de trisomiques et d'autistes. Pour la partie invention, ingénierie, comme ils sont bons en sciences, les autistes. Je vous sens pas super opé sur le projet, là encore. Non mais remarquez, vous avez raison, ça marcherait sûrement pas, quoi. Je suis sûr qu'il y aurait la guerre entre les deux communautés. C'est du genre, quel là, non, pas quel là. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, okay. Radio Bistrot. Ouais. Mais quel magnifique barman. C'est moi? Non. Ah. Moi. Ah, c'est toi. Il dit barmaid, c'est comme ça que... Oh, tu... Mais t'es tellement ouais. Intelligent, David. Non, c'est... Alors, en même temps, on sait pas avec les genres de nos jours, je veux pas commettre d'impair. Donc, Mais à aucune méprise. Non, pardon. Donc t'es célibataire? Non. Non. Bon bah écoute, tu peux sortir de scène, allez, on s'en fout. Ah non. Alors David, dis-moi, tu as une actualité toi aussi, hein? Tout à fait, ouais, je joue au Sentier des Halles jusqu'à la fin du mois de décembre et à partir de janvier au Lucernaire. Voilà, dimanche au Sentier des Halles et vendredi, samedi au Lucernaire à partir du 18 janvier. À quelle heure? Alors le Sentier des Halles c'est à 19h le dimanche et à 21h30 vendredi et samedi à partir de janvier au Lucernaire. J'imagine que tout le monde a noté, bien sûr, évidemment. Ça va de soi, voilà. Personne. Et, pardon, le personne. Petit garçon te déteste. Ouais, mais tu sais pas écrire, c'est normal. Ouais, si tu veux que je te dise. Non, mais tu dois être bon en tablette, hein, je comprends. Y a pas de... Pardon? Tu dis quoi?
Non, rien. Non, rien. Non, mais je sais, c'est pas gentil de vous. Voilà, voilà, je m'excuse, les enfants. Voilà. Bientôt, vous serez plus grand que moi, donc il vaut mieux que je m'excuse maintenant. Ouais. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est plus grand que toi. Il est déjà plus grand que moi, celui-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu es très. Et il ressemble à Joël Star en plus, donc ouf. Je vais aller me cacher. Voilà, merci voilà. beaucoup. Lui est sorti. Merci beaucoup, David. Alors. Alors. Voilà. Et. Ça fait plaisir de vous. J'étais parti un instant. Hein, c'est moi maintenant. Et voilà. Et t'as vu, les gens sont heureux de te retrouver. Moi aussi. Et c'est ça. C'est ça aussi. Oh, je pense oh regarde, il y a quelqu'un qui applaudit tout seul. C'est ouais, trop mignon. C'est un début. C'est un début. J'ai l'impression de renaître à ma carrière. Ouais. Tu t'appelles comment, la personne qui applaudit, papy? Non, c'est pas grave. Voilà. En fait, c'était. On veut pas le savoir. C'était une bande enregistrée. Alors, nous allons accueillir notre dernier artiste et de oui, la soirée. Et oui, et non pas des moindres. Ah bon? Et non, parce que c'est aussi une personne du terroir. Ah, du terroir, ah, comme oui, vous bah dites, oui. dans le 7-8. Ah, bah ici, dans le 7-8. J'adore me retrouver en province. Ouais. Vous avez un jargon que je ne connais pas, moi qui suis à la capitale. Voilà. Et donc, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir avec grand bonheur ouais. Johanna Soudry. Hola a todos. ¿Qué tal estamos esta noche? Bien, me presento. Me llamo Ana María Josefina Pérez Enrique Fernández. Si os parece, nos vamos a tutear, que es más natural. Des questions? Je crois que vous n'avez pas tous compris ce que j'ai dit. Bueno, je répète en français. Je suis votre nouvelle professeure d'espagnol. Je m'appelle Ana María Josefina Pérez González Miguel Fernández Gutiérrez. Autrement dit, Pepita. Si, Pepita, il y en a qui me connaît. Pepita, claro, c'est le diminutif de Josefina. Parce qu'en Espagne, nous, on adore les diminutifs. J'ai l'impression que les micros ne marchent pas très bien, verdad? Vous êtes nombreuses à une grande classe aujourd'hui. Je suis très contente. Alors, je disais qu'en Espagne, on adore les diminutifs. Alors, il y en a qui sont logiques, tu les comprends. Par exemple, María Isabel, si on fait la contraction, ça fait Maribel. Bueno, vous suivez más o menos. Il y en a en revanche, tu comprends rien du tout. Et par exemple, Francisca. Francisca, ça fait Paquitina. Le diminutif, il est même plus long que le prénom. Bueno, si, je vous jure. Hein. Et il y a d'autres pays aussi où ils utilisent les diminutifs. Par exemple, en Angleterre. Et Billy, vous savez c'est quel prénom ça? William, muy bien, sí. Et do you speak English? Yes. Do you speak Spanish? Do you have a car? Yes. Do you have a car? Nous, les Espagnols, on prononce le H. Et on le fume aussi, hein? Moi, au début, quand je suis arrivée en France, je croyais que la chiche parmentier, c'était une purée pour rire. Ay, bueno. Et les premiers cours aujourd'hui qu'on va faire, c'est sur la famille. La familia. La familia es muy importante. Ma familia, moi, bon, ben, elle est espagnole. Mais sinon, elle est normale. Hein? Rien à voir avec les films de Pedro Almodóvar, tout ça. Nada, nada. Et, bueno, le père de ma mère, bueno, non, ma maman, elle s'appelle María. Et son père, el abuelo, c'est Alberto. Et el tío, son oncle, entonces, se llama Roberto. Entonces, Roberto, comme il est un peu bipolar, avec la grand-mère, l'abuela Paz, a veces es un poco complicado, ¿no? Y a la gente se nea, comme ça, crie, hijo de la puta, hijo de la gran puta, la mierda, todo en mi puto cabrón de mis santos cojones, eh? Ay, no, uy, ça, il ne faut pas retenir, hein? C'est le gros mot. Non, 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 non. Bueno, je suis votre nouvelle professeure d'espagnol. Je suis espagnole. Enfin, je viens de Catalogne. Alors, je ne sais plus trop si je suis espagnole. Mais ma famille, elle vient de La Rioja. Il y en a qui connaissent la région de La Rioja? Là-bas, on fait du vino, du vin. Vin, vin sur vin. Et au début, quand je suis arrivée ici, à Paris, je ne parlais pas très très bien français. En fait, je disais bain, pas vin. Parce qu'en espagnol, les B et le V, tu prononces pareil. Alors au début, avec les élèves, je disais bite au lieu de vite. Allez, allez, petite bite. Venga, montre la bite. Aïe, 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 Dios santo. Mais c'est comme le son U, que ça n'existe pas en espagnol, le son U.
Alors, ben, j'ai dû apprendre à prononcer le son U. Et pour ça, j'ai une méthode très, très efficace. Venga, je vais vous la donner parce que vous êtes muy simpaticos. Vous mettez la bouche en cul de pute. En cul de poule. C'est difficile, hein? Assu. Et vous prononcez I. Venga, on va le faire tous. Assu. U. A ver, muy bien. Vous êtes bon français, hein? Oui, si, 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 muy bien. Bueno. Tú, ¿cómo te llamas? ¿Comment tu t'appelles? Isabel. Uy, no me gusta. Je vais t'appeler Susana, parce que c'est plus espagnol, hein? Vous savez, on donne les prénoms comme ça, dans les cours. Alors, je vais t'appeler Susana, et on va répéter tous ensemble. Me llamo Susana. Me llamo Susana. Muy bien, eh? Bon, on se connaît bien maintenant, hein? Alors, on va se tutoyer, si ça vous va. Bueno, hein, Isabel? Je te dis tout. Bueno, je te dis tu, non? Je te tue toi. Non, non, je te tue pas. Je te tue toi. Et toi, tu me tues moi. Tu me tues toi. Tu me dis tout. Tu veux rien dire? Ay, elle va me tuer, Isabel, eh? Bueno, entonces, si ahora on t'appelle Susana, d'ailleurs, Susana vous avez vu? On dit les Espagnols, ils ont un cheveu sur la langue. Mais pas tout le temps, parce qu'on a dit Susana, eh? On n'a pas dit Susana, eh? Ça, c'est la Z. Et c'est pas tout le monde qui fait la Z, eh? Par exemple, au Mexique. Mexico! Aïe, aïe! Arrive, arrive, tequila! Ils font pas la Z. Alors que nous, en Espagne, si. Enfin, ça dépend, pas tout le temps. Il y a des fois, si. Mais sinon, en Andalousie, par exemple, ils font pas la Z. C'est dans une région qui fait tout le temps la Z avec les C et les E, I, U, précédé des voyelles E, I, que sinon, ça fait le son que au lèche normal. Sinon, non, si. Vous avez pas compris, hein? Bueno. Aïe, ça, je suis coincée du cul. J'ai les torticolis, là. Oui, oui, oui. Ah non, c'est pas le cul, c'est le cou. Ay, que yo me trompe tout le temps. C'est Kiki, la coucou, la coucou, la coucou, la coucou, la coucou, la coucou. Brasil, nous, la festa, Copa Cubana, football, la Copa du Mundo. Ah, mais pour nous, les Espagnols, les Portugais, c'est la même chose. Tu prends les mêmes mots et tu mets une prononciation différente. Par exemple, tout bien, bon dia, coração. C'est comme si vous parliez français comme ça. Eh, vous êtes plein portugais. Oui. Perdón, j'ai commencé à enrhumer là. Constipada, on dit en espagnol. Si, si, on dit constipé pour enrhumer. Attention, hein. Ici, quand tu es constipé, c'est pas le nez qui est bouché. Susana, est-ce que tu es d'accord que l'espagnol, c'est quand même une langue qui chante, hein? Si, non? Eh bien, oh, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Venga, on va apprendre des chansons. Canciones. Oh, a mí me encanta. En plus, c'est une méthode géniale pour apprendre les langues étrangères. Moi, par exemple, j'ai appris l'anglais avec Michael Jackson. Mm-hmm. My name is Pepita. Ah, Pepita, I want you. Shmara, shmara, what time is it? Oh! Hi, vous connaissez la chanson Acereje? Sí, algunos, ¿no? La Sketchup. Sí, muy bien, Acereje. Venga, on va chanter tous ensemble. Acereje. Ja, deje. Déjeme, tú déjeme, dice, do you know I'm a honey and the boogie and the whippy. ¡Venga! Hacer eje, ja, deje, déjeme, tú déjeme, dice, do you know I'm a honey and the boogie and the whippy. ¡Ay, qué bien! ¿Qué es que ça veut dire les paroles? Rien du tout. Mais c'est rigolo, ¿no? Oh, vamos a hacer flamenco. Claro, el flamenco, avec son récolte en España, ¿eh? Alors, pour chanter le flamenco, tu rajoutes des « ah » et des « oh » à toutes les syllabes. À la fin, tu ne comprends plus rien. Mais c'est beau, hein? Et aussi, tu aspires les « s ». Aspira la « e ». Entonces, habla ahí. Y añade después « ah » y « oh ». Y puedes cantar y bailar flamenco. ¡Ole! ¡Eso es! ¡Flamenco! ¡Eso!
classe, vous avez entendu. Oh, bah, c'était encore très intéressant. Et, wow, muchas gracias a todos. Et je vais récupérer les abanicos et je vous dis à la semaine prochaine. Eh. Ay, venga, hasta luego. Olé! Mesdames, messieurs, vous avez assisté à une première. C'est formidable. C'est beau. C'est beau ici à Élancourt, au Prisme. Un plateau d'humour. On renoue avec l'humour, mais c'est formidable. On va enfin rire dans les Yvelines. Et où? Ici, à Élancourt, au Prisme. Mais oui, c'est ça qui nous fallait. On a besoin de se marrer, de se prendre la poire. Mais oui. Hein, calme-toi, mais calme-toi parce que c'est pas terminé. Si c'est, c'est pas fini. Si c'est une première, il y en a une deuxième. Et la deuxième a lieu le 19 février. Ici, au Prisme, et oui, mais on continue, non, on enfonce le clou, on n'arrête pas, on lâche rien. Oui. Alors, on va rire. Voilà. Et si on rit, ce n'est pas tout seul. Il y a des gens qui ont organisé tout ça. On voudrait les remercier. Bah oui. Bah oui. Il y a tout d'abord Virginie Marson et toute l'équipe du Prisme qu'on vous propose d'applaudir. Elle a eu ce courage. Il y a TV78 qui est là. Ils sont partout. Ils sont partout. C'est une horreur. Ils sont infiltrés. Infiltrés, ils sont là. Alors du coup, parce que on va pas arrêter de se marier dans les prochains mois. Donc, du coup, même sur TV78, vous allez retrouver les sketchs. Vous allez pouvoir les revoir, les garder en mémoire, les re-revoir, rire à gorge déployée chez vous, partager avec vos amis. C'est formidable. C'était une excellente soirée. Et pour finir en beauté cette soirée, nous vous proposons de saluer tous ensemble nos artistes. Ils étaient là rien que pour vous ce soir. Oui, Nadia. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Alexandra. Get it, boy. From the beginning.